Héros de la série Viking Valhalla sur Netflix, Leif Erikson est un célèbre grand explorateur. Connaissez-vous son histoire? Dans Viking Valhalla, série dérivée de Viking disponible sur Netflix, Leif Erikson est l'un des trois héros principaux. Ce personnage incarné par Sam Corlett, est présenté comme étant le fils d'Eric le Rouge et un Viking venu de la Terre Verte. Aidant sa sœur Freddy Eriksdotter, Frida Gustafsson, à se venger de son violeur, Leif va devoir, pour la sauver, prendre part au combat des Vikings regroupés à Kattega pour attaquer les Anglais. De cette union avec les Vikings, et notamment Harald Sigurdsson, Leo Suter, Leif va se retrouver transformé. Lui qui croyait à la toute-puissance des anciens dieux va se détourner de sa religion païenne pour s'intéresser aux chrétiens. Surtout, il va développer ses compétences de combat sanguinaire, outre ses brillantes connaissances en ingénierie et en construction. Leif Erikson, celui qui a découvert l'Amérique du Nord comme la série originale, Viking Valhalla prend des libertés avec l'histoire de ses personnages inspirés de figures légendaires. Dans les sagas des Groenlandais, on apprend que Leif Erikson serait le premier Européen à avoir découvert l'Amérique du Nord continentale. Même si cela n'est pas totalement vrai selon les écrits, comme Voyage au Vinland, et les recherches, il reste l'explorateur le plus célèbre de l'époque et l'un des premiers à fouler ce sol. C'est après avoir entendu l'histoire d'un marchand, Bjarni Herjolfsson, que Leif se lance dans un long voyage pour trouver ses terres et ses côtes de l'Amérique du Nord. Il en découvrira quelques-unes et établira même une colonie. Ses sauvetages de naufragés et ses expéditions réussies lui vaudront le surnom de Leif le chanceux. Mais le Viking sera obligé de rentrer au Groenland pour reprendre les fonctions de chef de son père décédé. Cela ne l'empêche pas d'encourager d'autres expéditions de ses troupes. Rappelons que la saison 6 de Viking a fait de Jordan Patrick Smith, le premier explorateur viking à découvrir l'Amérique du Nord ou Nouveau Monde, appelé aussi Vinland, le pays du vin. La première saison de Viking, Valhalla n'a pas encore creusé la facette d'explorateur de Leif, donc il faudra attendre les saisons suivantes pour voir comment l'histoire du va influer sur celle de Leif. Personnalité connue de l'expansion viking, Leif Erikson est le fils d'Eric le Rouge, le fondateur de la première colonie viking nord-américaine au Groenland. Décrit comme un homme sage, attentionné et fort des apparences, Leif Erikson s'est peu à peu éloigné de son père, qui ne l'a que très peu élevé puisque c'est Tyrkir, l'un des Trolls, esclave d'Eric, qui a été en charge de ses enfants. Leif considérait Tyrkir comme son père adoptif. La religion était l'un des conflits entre Leif et son père, puisque ce dernier tenait à ses croyances païennes tandis qu'à son retour au Groenland, Leif a commencé à prêcher le christianisme. Sa mère s'est convertie et a même construit une église. Décrit comme un homme grand, sage, attentionné et fort d'apparence, Leif Erikson est tombé amoureux d'une noble femme nommée Thorgunna, qui donna naissance à son fils Thorgi, qui n'a pas eu la même notoriété que son père. On ne connaît pas les détails de sa mort mais Leif est probablement décédé au Groenland.